Merci, ah, merci. 10h30, midi, Charlotte Gabrice. Alors, après cette O-là, Charlotte, c'était vous. C'est à moi. Eh bien, bonjour Sophie. Bonjour. Quand je vois votre talent, moi je me dis que c'est normal hein, qu'on vous appelle la grande Sophie. Moi j'ai une amie qu'on appelle la grosse Sophie. Parce que son seul talent en fait c'est de mettre 9 muffins dans sa bouche en même temps. Bon, c'est sûr que c'est moins classe, mais ça fait toujours son petit effet en soirée. Voilà, on rigole beaucoup. Sophie, vous étiez un peu une enfant précoce. Hein. À 9 ans, vous jouez de la guitare. À 13 ans, vous montez votre premier groupe. Ça doit être dur quand même pour des parents d'avoir une enfant précoce, quoi. Sophie, monte dans ta chambre maintenant. Oh, ça va, c'est bon, je fais ce que je veux, d'accord? Tu me parles pas sur ce temps. Si vous continuez de me parler comme ça, je pars de l'appart et j'arrête de payer le loyer. J'ai 5 ans et demi, merde. Non, franchement, vous avez tout fait très très jeune. Vous êtes tellement intelligente, j'imagine que vous deviez être première de la classe, limite surdouée. À mon avis, même le premier mot que vous avez prononcé quand vous étiez bébé, il était tellement compliqué que vos parents ont dû prendre le dictionnaire pour trouver la définition. Hein. Dis papa, 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 procrastination. Hein. Elle a dit quoi là? Ben, je sais pas, on regardera demain. Hein. Vraiment, moi j'aurais tellement voulu être comme vous, Sophie. Quand j'étais petite, mon père, il voulait absolument que j'apprenne la guitare comme vous. Bon, pas parce qu'il aimait l'instrument, mais juste parce qu'il trouvait que j'avais la même moustache que Francis Cabrel. Et puis moi, mon frère, il voulait faire de la guitare aussi, mais juste pour choper des nanas, en fait. Et en 6 ans de cours de guitare, il n'a pas ramené une seule fille. Du coup, il a essayé le GHB. C'est un peu moins musical, mais ça fait beaucoup son effet aussi. Hein. Bon, on a quand même des points en commun, Sophie. Déjà, j'ai vu que vous aviez déclaré « je me suis beaucoup questionnée ces dernières années ». Moi aussi, voilà, déjà, premier point. voilà, hein. Sinon, vous avez aussi déclaré « j'ai terriblement peur de vieillir ». Alors moi aussi, j'ai terriblement peur de vieillir. Alors comme je disais avant, moi j'ai 25 ans et je trouve que 25 ans, c'est un âge horrible, voilà, parce qu'on n'est plus adulte, on n'est plus enfant, on est rien du tout, voilà. Moi, à 25 ans, je vois qu'il y a des choses que je ne peux plus faire. Par exemple, je ne peux plus faire de crise à ma mère quand elle ne m'achète pas un truc au supermarché. Hein, je ne peux pas lui dire « maman, tu m'achètes ça ?» Non, non. Non, je peux pas. Hein. À 25 ans, tu peux plus mal parler à ta belle-mère. Tu peux pas lui dire « Ouais, ça va, tu me parles pas comme ça, t'es pas ma mère, ok ?» Tu peux pas, parce qu'elle a le même âge que toi. Hein. Et puis comme vous, un autre point commun, c'est que j'ai fait les Beaux-Arts, moi aussi. Enfin, quand moi j'y étais, ils ont décidé de rebaptiser ça les Arts, tout court. Parce que c'est vrai que j'étais pas très douée. La seule fois où j'ai eu la moyenne, c'était parce que j'étais pas inspirée. Du coup, j'ai rendu feuille blanche et la prof m'a dit « Bravo Charlotte, c'est la plus belle chose que tu aies jamais faite ». Donc j'étais assez touchée. Hein. Les étudiants en Beaux-Arts, on les reconnaît facilement. Ils ont toujours le look un peu artiste comme ça. Ce qui consiste à associer des fringues qui vont pas du tout ensemble et surtout ne jamais se laver les cheveux, hein. Ça c'est une règle d'or. Moi je suis restée 6 mois avec un artiste, enfin en fait je suis restée 1 mois, je lui ai passé la main dans les cheveux et j'ai mis 5 mois à essayer de la retirer. Il y avait des nœuds. En tout cas, Sophie, bravo pour votre carrière. Je vous adore tellement que je vous ai même apporté un cadeau. J'ai fait une feuille blanche que j'avais ramenée des Beaux-Arts. Donc, c'est pour vous, je vais vous la donner. Et merci pour tout. Hein, et j'étais ravie de parler de mon enfance avec vous. Merci beaucoup. Charlotte Gabri, à l'Instant Théâtre, le samedi jusqu'au 30 juin.